Un lanceur d'alerte a révélé des informations sensationnelles sur la technologie des ovnis et des engins spatiaux extraterrestres. L'ancien responsable du renseignement David Grusch, qui a dirigé l'analyse des phénomènes anormaux inexpliqués, UAP, au sein de l'agence du département américain de la défense, a allégué que les États-Unis possédaient des engins d'origine non humaine. Selon le lanceur d'alerte, les ovnis seraient en réalité des vaisseaux spatiaux utilisant une technologie bien au-delà de ce que l'humanité connaît actuellement. Ces engins extraterrestres seraient capables de voyager à des vitesses incroyables et de réaliser des manœuvres aériennes impossibles avec notre technologie. Le lanceur d'alerte affirme également que les gouvernements ont secrètement récupéré des épaves d'ovnis et étudié leur technologie pendant des décennies. Ces informations ont été dissimulées au public pour éviter la panique et préserver le contrôle du pouvoir. L'article souligne que ces révélations font suite à un intérêt croissant pour le phénomène des ovnis ces dernières années. De plus en plus de témoignages d'observations d'ovnis sont signalés dans le monde entier, et des vidéos et des photos circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations et les théories du complot. Les autorités gouvernementales, quant à elles, ont souvent minimisé ces observations et ont évité d'aborder sérieusement la question des ovnis. Cependant, cette nouvelle divulgation pourrait remettre en question cette approche et pousser les gouvernements à divulguer davantage d'informations sur le sujet. L'article conclut en soulignant que ces révélations soulèvent des questions importantes sur ce que nous savons sur notre place dans l'univers et sur les possibilités technologiques qui pourraient nous attendre.